vont jouer leur rôle aujourd'hui. On a toujours l'impression qu'ils vont tomber au bar parallèle, puis finalement ça passe. Alors ça, c'est une prestation enregistrée, celle de Savenkov au sol. Retour au sol, ici ce salto avant tendu, suivi d'un double salto avant, puis une chute. Deuxième diagonale, roulade vrille et demi, vrille, suivi d'un salto et demi, arrivé en roulade. Ça permet aux gymnastes de limiter les fautes de réception, les arrivées en roulade, mais c'est un peu plus risqué. Ici les grands tours, les cercles Thomas, que l'on a vu tout à l'heure, très bien réalisé par Xiaoqin, le chinois, au cheval d'arçon. Petite difficulté supplémentaire au sol, bien sûr. Petit passage chorégraphique afin de se replacer le mieux possible pour effectuer troisième diagonale ici. Salto et demi, le corps tendu, toujours arrivé en roulade. Laste souffle. Et la dernière diagonale, double vrille et demi avec un tout petit sursaut. Ouais. C'est pas mal, très bon mouvement, bon contenu, bonne maîtrise. Alors là, logiquement, on devrait arriver rapidement. On revoit ici les cercles Thomas. Là voilà la note, 15-325. Ça reste correct pour le Bélarus. Le Bélarus qui est toujours dans la première moitié du classement pour l'instant, mais le classement est encore très provisoire.